法国的圣诞节就像台湾的过年一样，大家会回去家乡跟家人和朋友聚一聚。所以我有一次会去法国，决定要趁这个机会介绍台湾过年文化给法国人，让他们体验新年的气氛。我想说可以介绍代表一家团圆的美食给三个法国阿嬷，火锅。所以我从台湾带去两个不同汤底，一个鸳鸯锅子，然后在法国买了一些配料。我当天非常期待阿嬷的反应，大家来一起看阿嬷们觉得怎么样吧。C'est magnifique, c'est ça veut dire quoi? C'est vous qui vous souhaitez beaucoup de bonheur. Oh, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. C'est Chinatown. Ah, dis donc. Tu es madame, moi? Oui, t'es la vedette. Oh, t'es la vedette. Oh là là, c'est bon. Oh là là, tu me dis si vaut mieux que j'enlève mes lunettes. Non, les baguettes, c'est en superflu là parce que. Ah, parce que là, nous, je suis partie, nous on va essayer. On va essayer. Comme un crayon, le premier. Oui, mais à part ça. Et après, tu coinces. Oh, aussi. Huguette, elle m'a l'air pas mal. Hein. Ah, Huguette, oui. elle va tout de suite. Bah, je suis allée en Chine quand même. Il y a longtemps. Ce qu'on va manger aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une fondue chinoise. Mmh. Est-ce que vous avez déjà mangé une fondue chinoise? D'abord, oui. Huguette a déjà mangé. Bah alors c'était rebelle. Peut-être à Shanghai, je sais plus. Mmh. Je sais plus, ça ça va. Ouais, non. Vous avez jamais oh non, moi je garde ma Lorraine, tu vois. Et vous, est-ce que vous savez ce que c'est que le fondu chinoise dans le chou? Bah, ce qui est fondu, c'est quelque chose qu'on trempe dans. Voilà. On va vous donner un bouillon et on va tremper ce que vous avez devant vous là. Est-ce que vous connaissez ce que vous avez devant vous? Ben, moi, il y a du jambon, là, des champignons. Là, c'est du pain, un marron ou un champignon. C'est pas des. Ou un oignon. C'est... Là, j'ai trouvé. Oh, t'es arrivé, toi. C'est du tiramisu? Non, c'est pas ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais manger une fondue chinoise? C'est parce que c'est bientôt le nouvel an chinois. Ah, d'accord. Le nouvel an chinois qui est à la fin du mois de janvier. Ça date? Non, ça change en fonction du calendrier lunaire. Ah voilà, on va rentrer dans l'année de quoi alors? Parce que moi, les Chinois que j'ai rencontrés en Chine, ils savaient même pas l'année chinoise dans laquelle on était à l'époque. On va rentrer dans l'année du rat. Oh alors. C'est pas terrible. C'est parce que moi je suis née sous le truc du rat. Ouais. Ah bah voilà, bah ça sera votre année. Alors, ça sera votre année. On mange le gros pot parce que c'est un symbole de convivialité. C'est-à-dire que c'est un gros pot, tout le monde va mettre les ingrédients que l'on va manger ensemble. Les petites baguettes, elles vont pas fondre? Bah non. Waouh. Okay. Qu'est-ce que c'est? Bravo. Oui, pourquoi il y a une séparation. Une séparation. C'est justement pour avoir deux bouillons différents. Ah, c'est ingénieux. Et ces légumes-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les tremper dans la soupe pour les faire cuire. Et on sait que c'est cuit au bout de combien de temps? Ça se fait au feeling. C'est vous qui voyez. Avec la baguette, des fois? Avec la baguette, si jamais vous n'y arrivez pas, c'est avec une fourchette ou même avec les mains, ça marche. Mais sur les 30 grammes de bouillon, on va pouvoir trouver, tu sais. Eh ben justement, on mélange un peu. C'est pour ça que c'est convivial. Alors, on sait qu'on pourrait... Regarde, je te sers le mettre. Vas-y, oui, c'est bon, je te le mets. T'en finir sur le tapis, celui-là. Je vais essayer de récupérer. Vous savez ce que c'est? Non. C'est la salade? Avant tout, il faudrait qu'on aille à un cours. Prends ta fourchette. Prends la fourchette. Oui, mais si on est filmé... On marche. Ah, là, c'est parti. Ah, là. Bon. Et puis, on récupère quoi? Et puis, on le récupère quand? Eh ben, vous pouvez laisser un petit peu. Laissez-le tomber. Je le laisse tomber? Oh, j'avais déjà eu du mal à l'accrocher. On commence par les légumes, pourquoi? Parce que ça met en appétit. C'est parce que si jamais on commence par la viande, il va y avoir une couche de graisse qui va se former au-dessus. Ah, d'accord. Laissez-le cuire. Voilà, vous laissez cuire. Et puis, tu peux prendre ce que ta voisine a cuisiné. Et tu crois pas que celui-là il est cuit? Encore, laissez-le. Oh, j'étais fière de moi de l'avoir attrapé. Le problème, ça va être pour récupérer après. J'aurais du mal. C'est plus facile à la faire sortir. Parce que comme on ne connaît pas, le prochain film, ça sera mieux, tu verras. Oh, puis dit, il faut qu'on aille au cours de baguette. Ah oh, ben, hey, tu te débrouilles. Oh, ben, tu sais, l'estomac il réclame. Hein. Et on a une sauce spéciale à Taïwan qui s'appelle salsa. La sauce salsa. Je vous laisse sentir. Ça sent le poisson. Non? Et ben, c'est la sauce qui va traditionnellement donc avec la fondue chinoise. Mmh.
et vous pouvez tremper tout ce que vous voulez. Alors, oui, moi non plus. C'est un peu rosé quand même. Ouais, sur le, ça brûle derrière. Ah, sur le début, ça fait rien. Ça fait rien. Pas, j'ai les problèmes des sommets. Oui, faut se méfier. Hein. Ouais, surtout que demain je vais chez l'autre. Elle se rend, ça va l'autre. Si je lui dis que j'ai mangé du piment, ça va pas le faire. Au 127 que tu vas. Là maintenant, vous pouvez manger. Alors on va goûter. Allez-y, goûtez. Oh là, j'ai envie de manger de la viande, moi. Moi, je vais manger du chou. Wow. Je dis, je vais manger du chou, regarde, je tire du pain. Oh. Je vais prendre du chou, moi. On dit même avec mes deux mains, j'y arrive pas. Ouh, oh, la baguette est tombée. Ouh, bon. Yeah. Oh, moi, je vais pas y arriver, hein. Je vais prendre ma fourchette, c'est plus prudent. Hein. Mais mon chou, merci, merci. Est-ce que vous voulez du maïs? Je mets un petit maïs. Ah oui, 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 un maïs. Un maïs pour moi. Merci. Sauce. Merci. On t'a une mère pour moi. Et maintenant. On les mange. Le maïs dans la petite sauce, c'est pas mauvais. Ah, c'est rigolo ça. Oh, t'as pas donné autant de temps, hein. C'est vraiment super. Hein. Ça a l'air beau, regarde. Mmh. Mmh. Très bon. Goutte, goutte. Bah, c'est très bon. Mmh. Mais moi, j'admire la façon de faire. Ils mettent un peu de jaune avec une fringue. Montée avec une fringue. Non. Mais ils donnent un mal de chien. Hein. Et ce qui est très important aussi, c'est de goûter la soupe. Alors ici, ça c'est de la soupe du bouillon aux légumes. Je vous mets un petit peu. Ah, ça va. Bah, le bouillon parfumé, il est très bon. Hein. Très très bon. Parfumé, oui. C'est sympa, hein. C'est un peu comme quand on fait une raclette ou une fondue, oui, chinoise. Maintenant, on va passer à la viande. Je vous fais goûter la viande. Un petit morceau de viande, comme ça. Et tac. Et puis tu le lâches pas. On le lâche pas. Comme c'est fin, ça va très très vite à cuire. Ouais, hop. Et hop. Et vous voyez, là c'est cuit. Ah oui, il est cool. Là c'est cuit. Et là, ce que vous pouvez faire, tac, vous trempez dans la sauce. D'accord. On s'ouvre la bouche. Bah. Là, normalement, ça devrait aller. Oh là 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 là! Donc c'est bon. Mmh. Avec la sauce. On y va avec la sauce. Mmh. Ben c'est pas mauvais. Mmh. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais la sauce elle est revenue. Oh, qu'est-ce que c'est que tu mets là? Ça, je vous mets vos préférés. C'est vrai que je me souviens qu'à la fin, ils ont mis des pâtes dans le bouillon, pour terminer. Vous savez que vous êtes des stars maintenant à Taïwan, hein. Grâce aux nouilles. Voilà, je pense que ça va grâce aux nouilles. Parce que tu en avais plein là-dedans, là, et que ta copine a voulu les enlever. Oui. Je retrouve des nouilles dans mon pantalon. Bah oui, j'ai pas osé fouiller trop. Wow. J'ai eu peur que tu me fiches une baffe. Oh écoute, si ça avait été ton mari, je dis pas. Au contraire, tu dis pas, dis pas. Pour tricoter des trucs avec ça. On va manger ça, non? Oh, c'est chaud. Oh, il y a combien de kilomètres comme ça? Mais tu peux tricoter un pull, là. Bah oui, je pense. Hein. Regarde comme c'est bien. Les pâtes sont très bonnes. Alors c'est quoi que vous avez préféré? Moi les pâtes. Le bouillon, la viande. Moi le chou, les légumes. Une tradition à Taïwan, c'est pour le nouvel an, on offre ce qu'on appelle les enveloppes rouges. Ah bon? Les enveloppes rouges. Le rouge étant la couleur du bonheur. Exactement. Les mariés sont en rouge. Ah oui, 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 c'est vrai. Donc je vous ai préparé une enveloppe rouge. C'est magnifique. Pour chacune. C'est chouette. Merci. Il est un peu la prendre. C'est joli. Tu veux la prendre? Oui, hein. Regardez ce qu'il y a dedans, non? Oui, oui. C'est très joli. Oh, je m'étais ramené la chemisette là-bas, mais. Des sous. C'est pas vrai. Si, si, j'ai des sous. Bah. Quentin. Remets ça dans ta poche. Ouais. Ben oui, tu le oui. Même si c'est qu'un café, je ne veux pas. Je garde la vélibarie. Moi, je garde l'enveloppe. Hein. Merci de la bonne intention. Tu gardes, ok, garde pour donner. Allez, remets ça dans tes poches. On dit Sin Mien
Kuai-le. Kuai-le. En avant. Xin-yen Kuai-le. Alors, le truc. Xin-yen Kuai-le. Xin-yen Kuai-le. 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 Xin-yen Kuai-le. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 身体健康, 满足如意, bye bye. Bye bye. Bye bye. Est-ce que vous savez ce que c'est, le nouvel an chinois? Sans plus. Hein. Oui et non. Ouais. Là, je vais vous présenter des trucs pour consommer pendant le nouvel an chinois. Oh, mais le packaging. Ouvre-toi. Non, non, j'ai pas le temps. Mais ça se mange, là. Il y a pas autour. Ah non? Mais non. 3, 5, 4. Tu t'es bombardé. Ouais. Tu en manges un, deux. Je m'en achète ça. Loot. Ah, c'est bien. De déterminer ce que ça peut être comme insecte. Ça ressemble à du caoutchouc. Ah, c'est pas bon du tout.